Alors dans l'entrepôt que vous voyez ici derrière nous, on réceptionne plus ou moins 100 000 boîtes par jour. Ces 100 000 boîtes sont conditionnées soit dans des plastiques, soit dans des cartons, soit dans les deux. Et donc, ils sont déconditionnés ici dans des postes de réception et les cartons sont directement acheminés vers un compacteur relié lui-même à des containers qui sont repris une ou deux fois par semaine par leur société Renewi. Sachez que c'est plus ou moins 270 tonnes de cartons par an qui sont ainsi recyclés et les plastiques sont recyclés dans des poubelles dédiées et aussi reprises ici une fois par semaine. Nous demandons à tous nos patients de ramener les médicaments périmés ou non utilisés dans leur pharmacie, car ceux-ci sont en fait polluants. De ce fait, dans les pharmacies, ils collectent l'ensemble de ces médicaments périmés dans des containers en carton, qui sont ensuite acheminés ici au niveau du dépôt, pour être ensuite livrés à un spécialiste qui va les détruire en toute sécurité. C'est aussi par définition de l'ADN de Multipharma de prendre soin de l'environnement dans lequel vit son patient. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons lancé un exercice pour calculer notre bilan carbone et ça nous permettra de bien cibler l'ensemble des plans d'action à mettre en place pour s'améliorer en termes de sustainabilité.